On se retrouve aujourd'hui, on est le 16 décembre, voilà, et donc un petit cadeau, comme d'habitude. Lui, je l'aime. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, tout simplement. Alors, on y va. Alors, donc à première vue, ça a l'air d'être un masque. C'est marqué Port Rasoul Masque. Voilà. Donc c'est de la marque The Face Shop. Et il me semble que c'est ça doit être un masque pour les points noirs. Il est trop choupinou. Ça va couper, je le sens. Ah oui, d'accord. Ah, ça sent trop bon. Ça se présente comme ça dedans. Ça sent trop trop bon. Je suis super contente. C'est des trucs que j'ai envie de tester et tout. Je trouve que les cosmétiques sont vraiment très sympas asiatiques. C'est vraiment tout mignon à chaque fois. Donc je suis super contente. Merci Mandis pour ce petit cadeau. Je te fais des bisous. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Salut. Coucou. On se retrouve aujourd'hui en ce jour numéro 17. 17e jour de décembre, Noël approche à grand pas. Je suis trop pressée, j'ai trop hâte d'offrir tous ces petits cadeaux et tout ça. En plus, il faut que j'emballe tout, ça va être juste génial, j'adore. C'est un moment de la vie et de l'année que j'adore. Donc Amandine me dit un de plus pour ta collection. Alors, je pense que c'est un vernis Kiko. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Oh, il est beau. En plus, j'en ai pas de cette collection. C'est un vernis Kiko, donc de la collection Laser. C'est celui-ci. Vous voyez bien la couleur. C'est le numéro 432. Et il a l'air juste magnifique. Ouais, il est juste superbe. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai hâte de l'essayer. C'est pile dans les couleurs que j'aime en ce moment, tout ce qui est un peu bordeaux, cuivré, tout ça. J'aime beaucoup ces couleurs-là, donc là, je suis vraiment super, méga contente. Merci. Je vous fais des bisous et on se retrouve demain. Salut! Coucou! On se retrouve en ce 18e jour du mois de décembre pour le petit cadeau du NSP, comme toujours. Donc aujourd'hui, Amandine me dit un contenant très gras. Il doit y avoir des espèces de léopard, je pense, dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle est très jolie. C'est une superbe trousse, comme ceci, pour mettre du maquillage, de la marque Papillon Couture. Voilà. Elle est vraiment super jolie. Et l'intérieur est beige. Donc voilà. Très sympa, j'aime beaucoup, parfait, c'est en rapport avec la beauté en plus, pour mettre des petits maquillages quand je vais en vacances ou en week-end. C'est super génial, j'adore. Franchement, elle est super jolie et j'aime beaucoup. Merci, je te fais des bisous, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Coucou, on se retrouve aujourd'hui en ce 19 décembre pour ouvrir le petit cadeau. Alors, Amandine me dit... J'ai craqué littéralement sur cette odeur, j'en ai pris un pour moi. Donc je pense que c'est un gel douche cottage à la forme. Donc j'ouvre, qu'est-ce que ça peut être comme odeur? Il est jaune. Alors. Alors, c'est un gel douche cottage, coin ailé vanillé. Alors, sur ce coup-là, t'as pas trop de chance parce que c'est une des seules odeurs cottage que j'ai un peu de mal à supporter. Ça sent très bon, mais j'ai du mal à supporter l'odeur quand on se douche. Je trouve que ça sent trop la vanille. Et voilà, mais je l'aime bien, hein, mais j'utilise un petit peu. J'en ai un dans la douche depuis quelques temps, mais c'est très bien. De toute façon, j'aurai un stock, il n'y a pas de souci. Donc voilà.
Bah écoute, je te fais des bisous, je vous fais des bisous à vous aussi et je vous dis à très bientôt. Salut. Coucou. Aujourd'hui, on est le 20 décembre, donc je vous retrouve pour le petit cadeau du 20 décembre. Amandine me dit un peu de miel pour la douceur avec un petit cœur. Alors, c'est un tube, un masque peut-être. Donc, c'est une... tu vas comprendre pourquoi je rigole. C'est une crème pour les mains au miel de chez Mariono. Parce qu'il y a le M. Voilà, je rigole parce que... Elle laissait le prix. Oh. Donc, voilà, donc une crème pour les mains, c'est toujours utile et pratique. Hein. Ça sent bon. Petit coup sur les mains. Ah oui, ça sent bien le miel, c'est agréable. Une bonne crème pour les mains de saison. Ouais, c'est super agréable. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Une crème pour les mains, c'est toujours utile. En plus, c'est un petit format, donc on peut le glisser dans le sac à main, donc c'est pratique. Je vous fais à tous des bisous. Et à toi, Mandy, je te fais d'énormes bisous. Salut, salut, à demain. Coucou. Donc on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 22 décembre. Et aujourd'hui je vais ouvrir deux cadeaux. J'ai pas eu le temps du tout hier. Donc voilà, je vais ouvrir le 21 et le 22. Donc on va déjà commencer par le samedi 21. Elle me dit, quand je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à toi. Donc au toucher, je pense que c'est un bijou. Alors, ça arrache. Waouh, elles sont trop belles. Elles sont comme ça, c'est des petits triangles bleu turquoise. Elles sont juste magnifiques. Ah ouais, j'adore. Franchement, elles sont trop belles. Faut que tu me dises où tu les as eues parce que franchement, j'adore. J'adore ce style de bijoux et elles sont vraiment trop belles. Merci beaucoup. Et donc, pour le dimanche 22, donc c'est aujourd'hui, elle me dit un peu pour les yeux, je suis sûre que ça t'ira à merveille. Voilà. Tu me gâtes pour les yeux en fard à paupières. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, donc déjà le premier que je sors, ça ira super. Donc c'est deux fards à paupières de la marque Emma que je ne connais pas, donc ça tombe très bien. Donc le premier en plus, ça ira parfaitement avec ces petites boucles d'oreilles, donc c'est génial. Donc ça, c'est le Eyeshadow Fragrance Free, le numéro 14. Donc évidemment, il y a un gros truc et j'ai pas... Ah si, je vais y arriver, hop. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc il y a trois couleurs en fait. Ah, elles sont jolies. Ouais, je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa avec ça. Je les ai mis là sur la main. Je sais pas si vous voyez. Elles sont très sympas. J'aime beaucoup. Et en plus, j'ai pas beaucoup de turquoise comme ça. Donc ça tombe très bien. Et le deuxième... Donc c'est un eyeshadow duo fragrance free également, il n'y a pas de parabène dedans et c'est le numéro 59 et c'est celui-ci. Donc c'est un top, hop, donc ce sont deux couleurs top, je vais vous les swatcher vite fait, qui sont très jolies, très irisées, très sympathiques. Ouais, donc ça peut être très léger pour des maquillages très sympas. Donc bah, je suis super contente de mes cadeaux d'hier et d'aujourd'hui. Amandine, je te fais des gros bisous. Et moi, je vous retrouve pour la vidéo du 23 et du 24 et le cadeau du 25. Et donc je pense que je ferai un montage complet à ce moment-là. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Donc on se retrouve en ce 24 décembre, j'ai une tête pas maquillée du tout parce que je vais préparer la soirée pour ce soir, donc je vais être en cuisine et tout, et puis bah après je me ferai toute belle, mais pour l'instant j'ai une tête, voilà, comme ça. Alors par contre hier le 23, je n'ai pas eu le temps du tout, j'ai perdu mon étiquette,
d'ouvrir mon petit paquet. Donc c'est celui-ci. Il y avait une petite étiquette, mais il n'y avait rien d'écrit dessus. Donc voilà. Donc on y va. Alors c'est un gel douche de la gamme The Body Shop à la poire et à la citronnelle. Que je ne connais pas. Je connais cette gamme, mais je ne connais pas celui-ci. Qui sent plutôt bon. Donc c'est les gels douches 100% biodégradables. Bouteille 100% recyclée, sans sulfate, sans parabène, sans colorant et sans savon. Donc ben, je testerai ça et ça a l'air plutôt sympa. Merci beaucoup Amandine. Et celui du 24, donc il ressemble à ceci. Et Amandine me dit pour des cils de biche. Donc je suppose que c'est un mascara. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est un mascara de la marque Avril et c'est un mascara waterproof. Qui se présente. Je vous montre un petit peu. Hop. Ah, la brosse a l'air originale. C'est une petite brosse comme ceci qui tournicote. Elle a l'air plutôt sympa, donc j'ai hâte de le tester. Peut-être ce soir, tiens, pourquoi pas. Donc, bah écoute. Voilà les deux derniers cadeaux, donc un petit gel douche, un petit mascara. Moi j'étais super contente de ces cadeaux tout au fil du mois de décembre. Franchement tes cadeaux m'ont beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé découvrir ce petit cadeau tous les jours en pensant à toi. J'ai encore un cadeau à ouvrir, celui du 25 décembre, donc je le ferai demain dans la journée. Je vous le tournerai en vidéo aussi et puis on en parlera un petit peu plus de tout ce calendrier. Voilà, en attendant... Moi, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et puis bah, je file en cuisine et tout et faire une jolie table et tout ça. Coucou! Donc, on se retrouve pour le petit cadeau du calendrier de l'Avent du 25 décembre. Donc, c'est un plus gros cadeau que les autres. Donc, Amandine me l'a mis dans un petit pochon comme ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alors la première chose que je tire c'est ceci, donc c'est un lip addict de la marque Famous, ça se présente comme ceci, et c'est le Fever, voilà, donc à première vue, oh c'est un beau rouge, ouais il est superbe, en plus il me fallait un rouge comme ça pour Nouvel An, donc ça va être juste parfait. Et ce qui est rigolo dans ces petits rouges à lèvres, c'est que vous avez un petit miroir et puis un petit baume pour faire des petites retouches. Donc c'est très sympa, je suis contente. Il a l'air plutôt sympa, donc voilà. Contente comme tout. Ensuite, il y a ceci. Donc c'est un Merge Eyeshadow, le Shy de 2. Toujours de la marque Famous. C'est un très très beau nude. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Hop. Donc, c'est comme ça. J'aime beaucoup le packaging transparent comme ça. Je trouve ça très sympa. Il est très joli. On a l'impression qu'il y a des petits cristaux d'or, enfin d'argent dedans. C'est trop mignon. Et c'est un pailleté. Il est juste magnifique. Il est ici. Ouais, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et je garde ça pour la fin. Ah. Il y a également ceci. Donc là, je fais attention. Première vue, c'est de la marque Mulot. Donc je vais ouvrir. T'as encore mis plein de paillettes. Alors, ah, c'est cool. Donc c'est ceci. Montre mon poignet, c'est un petit bracelet avec des petits sculls sur un fil bleu. Il est trop choupinou, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, il est trop beau, très, très sympa. Merci. Et pour finir, ce cadeau du 25, et tu osais me dire que ton cadeau était nul, franchement, on a ceci. Donc, c'est la Léopard Eye Palette. De la marque Famous. On va regarder ça ensemble. Hop. En plus, je la voulais trop celle-là. Ah, ça coince.
Aïe. J'arrivais pas à l'ouvrir, dis donc. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur. Vous avez un miroir et les petits... Il y a un petit pinceau et un petit applicateur mousse en fait. Après vous ouvrez comme ça et vous avez la palette qui est là et puis les noms des fards qui sont là. Cette palette est juste, c'est juste une tuerie. J'avais vu une vidéo de Fairy Makeup qui en parlait. Elle est juste magnifique quoi. Le kaki. Je vais vous en swatcher deux ou trois. Le bleu nuit qui est superbe. Et puis on va swatcher celui-ci. Et le cuivre, des couleurs juste magnifiques. Franchement, elle est trop belle. Je vous ferai sûrement une vidéo avec un swatch de cette palette. Parce que sinon, là, la vidéo va durer 3 plombes. Donc voilà. Bah, écoute, Amandine, je suis super contente. J'aimerais que les cadeaux durent encore. Mais bon, malheureusement, calendrier de l'Avent, ça s'arrête le 25 décembre. Je te fais d'énormes bisous. Je te remercie beaucoup pour tous les cadeaux que j'ai reçus au fil du mois. Je suis vraiment contente de tout ce que j'ai reçu. J'aime tout simplement. C'est juste parfait. J'espère que ton NSP à toi t'aura plu. En tout cas, moi, je te fais d'énormes bisous. Je vous fais à tous aussi d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.